Aujourd'hui, mercredi 15 septembre 2020, appartement 138, la porte 138, bâtiment 201, rue des Chênes Bruns, 95 000 Cergy. Voilà, l'appartement est presque terminé, il reste encore des petites choses à installer. En sortant de l'appartement à gauche, il y a de grands couloirs. Voilà, vue sur le petit parc. Et les bâtiments sont assez loin les uns par rapport aux autres. Il y a vraiment un grand couloir. Voilà, en allant tout droit et tourner à droite, on prendra l'ascenseur et l'escalier pour descendre en bas. Donc, grand couloir. On va entrer, c'est une grande entrée à droite. Il y a un grand placard, hein. Il y a des choses à ranger, il faudrait qu'on range, ça se termine. À droite, c'est le compteur électrique et le petit radiateur. L'entrée, voilà. L'entrée, le grand couloir. Hein, l'étagère métallique sera déplacée dans le cellier au cinquième étage. Donc, l'appartement 138 se trouve au deuxième étage du bâtiment 201. Rue des Chênes Bruns, 95 000 Cergy. Donc à gauche, une grande cuisine, une grande pièce que j'appellerais salon cuisine, avec tout le confort qu'il faut. Frigo, lave-linge, tout le meuble, les meubles, et une grande table qu'on peut plier, transformer en table pour deux ou pour quatre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de place. Je vais mettre aujourd'hui ou demain le voile pour ces vitres. Voilà, donc une grande pièce, la cuisine, salon cuisine, on peut appeler comme on veut. Voilà. En sortant de la cuisine, donc à gauche pour le grand couloir, les colocataires pourront toujours réaménager cet espace. Cet espace de ville comme ils veulent. Donc tout droit, c'est la chambre 1. Et à droite, c'est la chambre 4. La chambre 4, 16 mètres carrés. Donc le lit, c'est un lit de très bonne qualité. Épaisse 90. Tous les lits sont de 90 cm par 190. Et épaisseur 240 cm. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Alors, c'est la chambre 4, la plus grande. Et donc, 16 mètres carrés. Voilà, une grande lampe. Avec la table de chevet à la lumière. Toutes les chambres sont pareilles, en fait. Donc, le bureau et puis un meuble de rangement. Et à l'extérieur, le couloir, là. Voilà le couloir qui donne, voilà, qui donne sur le parking. Toutes les quatre chambres sont situées de ce côté-là. Voilà. Qui donne sur le parking. Il y a beaucoup de place. Donc voilà, la chambre 4, 16 mètres carrés. Au fond, je mettrai, il y a déjà trois meubles pour rangement des vêtements. Je mettrai tout à l'heure, aujourd'hui ou demain, le voile pour cacher tout ça et puis les cintres, deux cintres pour accrocher les vêtements. Voilà, en sortant de la chambre 4, tout de suite à droite, c'est la chambre 1, 9 mètres carrés. Elle est petite, mais elle a aussi tout ce qu'il faut, hein, comme toutes les autres chambres. Un petit meuble de rangement. Un grand meuble pour les affaires, une lampe qu'on n'a pas encore l'électricité, je mettrai la rallonge tout à l'heure. Voilà le bureau comme les autres. L'équipement du lit c'est pareil, c'est comme toutes les autres chambres, la petite table de chevet. Et puis voilà, en sortant à l'extérieur. Voilà, donc c'est la chambre 1. C'est la chambre 1. En sortant de la chambre 1, tout droit, c'est la sortie. Hein. Donc là, nous allons sur le couloir. Dans ce couloir-là, à gauche, les toilettes. Un peu plus loin, à gauche, c'est la salle d'eau et la douche. À droite, tout de suite, c'est la chambre 2. La chambre 2, c'est 10 mètres carrés. Donc,
toujours exactement la même et le même équipement que toutes les autres chambres, le bureau, table, chaise, lumière, voilà, et le lit, c'est exactement le même équipement, avec la sortie sur le balcon extérieur, pareil. Voilà, un grand meuble pour les vêtements et petit. Sur le grand meuble, je mettrai un voile également, le petit meuble pour les petites choses, pour les autres affaires. Voilà, en face, c'est la salle d'eau. Allez, on termine par la chambre 3. La chambre 3 fait 12 mètres carrés. Même chose, le lit, c'est un petit meuble de rangement, la table, le balcon extérieur. Hein. Toutes les quatre chambres sont situées de ce côté-là, sur la vue sur le parking. Voilà, hein. La chambre 3. 12 mètres carrés. Au fond, le dressing. Hein. Le dressing. À gauche du dressing, c'est une étagère. À droite, que je vais équiper une armoire plus cintre. Voilà. Et donc, on peut fermer. On peut fermer. Hop. On peut fermer. Voilà, le dressing. Voilà. En sortant de la chambre 3, voilà. Tout droit, c'est la chambre 4. Tout sud à gauche, c'est la chambre 2. Et un peu plus loin à gauche, c'est la chambre 1. Donc à droite, c'est la salle d'eau. Hein. Ça a été refait. C'est très propre. Ça a été refait. Voilà. Les lavabos avec l'étagère. Hein. On peut l'ouvrir. Hein. Voilà. Et puis, la salle d'eau. Voilà. Et la salle d'eau. Bouche, etc. Voilà. Hop, et les toilettes. Les toilettes. Très propre aussi. Hop, je vais laisser ça. Lunettes. Très propre aussi. Voilà. Hop, on a fait le petit tour. Et en sortant, hein, voilà, en sortant, on sera là. Nous avons fini la visite de l'appartement 138, deuxième étage du bâtiment 201. Rue des Chênes Bruns, 95 000 Cergy, monsieur, madame Nguyen. Madame Nguyen, Marie-Cécile, 06 77 86 87 75. 06 77 86 87 75. Merci, au revoir.